What's up tout le monde, c'est Zerko, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau pack opening sur ma chaîne. Aujourd'hui, cette semaine, grosse Team of the Week avec Joe Aguero. En plus de ça, vous pouvez voir directement en bas du Ibrahimovic à 90 de général. Et en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, des packs à 25 000 crédits, donc j'étais forcément obligé de vous faire un gros pack opening. Donc 10 packs, 2 x 5, je vais y arriver, 2 x 5, donc 10 packs à 25 000, c'est plutôt correct. Donc qu'est-ce que ça donne les packs à 25 000? Inclut 12 joueurs, au moins 10 en or et avec 3 rares. Donc c'est plutôt pas mal que des joueurs. J'espère avoir mon premier boost ou en tout cas un gros joueur. On va voir en tout cas. 10 packs à 25 000, si là-dedans j'ai pas un gros truc, enfin du moins un joueur qui se vend pas mal, c'est qu'il y a un problème. Bref, let's go pour le gros pack opening, les gars. Allez, c'est parti pour le premier pack à 25 000. Vous n'avez pas assez de crédit. Ah ouais, merde. C'est plutôt là, hein, les points FIFA. Allez, c'est parti. Premier pack à 25 000. C'est parti, les gars. En espérant tomber sur un gros joueur. Et on tombe sur Strandzer pour le premier pack. Avec du Van Neef. Ouais, il a des stats très moyennes. Ensuite, on a quand même du Romero de Manchester United. Merde. Romero de Manchester United. On a Strandzel que je vais garder quand même 80 de général. Allez, cette fois-ci, je regarde pas. Je ferme les yeux. Electronic Arts. Pitié, Electronic Arts. Pitié. Un gros joueur. Première inform, j'aimerais bien. Bref, 3, 2, 1, c'est parti. Et on se tape du Imbula et du Kale. Non, du Imbula. Ouais. Ouais, c'est pas énorme. Il y a des bonnes stats hein, quand même, mais niveau crédit, c'est pas top quoi. C'est du 600 crédits. Allez, troisième pack à 25 000. Cette fois-ci, je vais skipper. On tente des choses, les gars. On tente des choses. On tape du truc. On espère. Et on va taper du Djordjevic. Allez, il nous reste 7 packs maintenant à 25 000. Allez, David à la barre. Ah, Walker, 79 de général, c'est toujours ça de prix. On a aussi du Sam et du Kolasinac, donc c'est pas trop mal. C'est un pack, c'est le meilleur pack que j'ai eu pour l'instant. Mais bon, Walker, ça coûte combien? Je sais pas du tout, franchement. Ah, un petit peu. 8000 crédits, non? 7-8000 crédits pour Walker. C'est toujours ça de prix. Après, ça vous rembourse pas du tout les 25 000 crédits, quoi. Bon, on est arrivé à la moitié. On va voir donc les 5 autres packs à 25 000. J'espère qu'ils seront mieux parce que pour l'instant, mis à part un Walker, on n'a pas eu grand-chose. Nkoulou, 80 de général. Fernandao, 78 de général. Pff, ouais, mais c'est des joueurs qui valent pas très cher, ça. Le Kun Agüero, je regarde pas. Pitié. Le Kun, s'il te plaît. S'il te plaît, le Kun. C'est maintenant ou jamais, le Kun. Allez. Derko, chance. C'est maintenant. 3, 2, 1, on regarde. Moutinho, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça, Moutinho. 83 de général, pour l'instant, le meilleur joueur de ce pack opening. Niveau crédit, ça vaut rien par contre. Oh, ouais, 3 packs à 25 000. On peut encore avoir de la chance, mais bon, pour l'instant, c'est la crise, les gars. Coutinho! C'est ça, les gars! Putain, je parle de chance si on tape du Coutinho. 84 de général, c'est super ça. Oh là là, enfin un bon joueur. Enfin un gros joueur qui se revend. Normalement, il a des bonnes stats. Franchement, je verrais mal un Coutinho à moins de 10 000 crédits, en vrai. 90 000, les gars, ça vaut combien? 50 000 Coutinho, les gars! C'est super, putain! Non! Coutinho, ah, ça fait plaisir. Comme la dernière fois, Liverpool en force. Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment Liverpool, donc Liverpool en force, 50 000 crédits Coutinho. Ça fait plaisir. Mais oui, c'est clair! Deux packs! À 25 000 encore, les gars. Celui-là, je vais pas le skipper et je vais regarder. Derko, chance. De Jong, 80 de général. Alors, on se tape des joueurs qui sont pas forcément très chers, mais du 80 de général, donc ça va. AD, avec 4 étoiles de geste technique et en plus 78 en physique et 80 en vitesse. Bon, même s'il a pas une grosse robe, il joue où, lui? Ouais, en K-League, classique. Ouais, ok. Ok, les gars, dernier pack à 25 000. On a eu Coutinho, je ferme. Je ferme les yeux. Normalement, j'ai de la merde. Ça allait très vite. Ça fait tac, tac, tac. Donc, je pense que j'ai de la grosse merde. Mais bon, on sait jamais, les gars. On sait jamais. J'espère que la chance sera au rendez-vous, même si je crois pas trop. Bref, 3, 2, 1, on regarde. On a du Andy Carroll. On a du Sow. Et on a du Colker.
C'est la crise, les gars. Ce dernier pack opening, ce dernier pack, pardon, c'est de la crise. Bon, lui, il est cheaté, clairement. Il est ultra cheaté. Donc, on va le garder quand même. Andy Carroll, on va le garder aussi, même s'il ne m'intéresse pas forcément. Et Colker, on va l'envoyer sur la pile d'échange. Mais en tout cas, franchement, un joueur peut changer un pack opening. Et c'est Moutinho qui a changé le pack opening. En vrai, j'aurais pas eu... je dis Moutinho, mais non, pas Moutinho. Coutinho. J'ai eu deux Nio. Mais bon, c'est Coutinho le meilleur des deux. En tout cas, Coutinho, 50 000 crédits. Alors, c'est pas du Ibra. C'est pas du gros joueur. Mais franchement, cette année, pour avoir des gros joueurs sur FIFA... C'est très dur et en tout cas, je m'en sors plutôt bien dans ce pack opening. Bref, j'espère que vous aurez apprécié en tout cas ce pack opening pour les packs à 25 000 et pour choper du Ibra ou en tout cas du Aguero en version euro. Bref, en tout cas, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Nerkos, ciao tout le monde!